Salut Chief. Comment ça va? Incroyable, incroyable. Oh mon dieu! En fait... Oui non mais non... Mais... Comment dire? Donc est-ce qu'on... En fait... Si ça... Je sais pas. Ça peut être drôle. Pour le coup c'est j'aime un starter hein, vu que ça... ça... En fait, l'idée donc de cette télécommande là, c'est si jamais j'ai trouvé la secret, la super secret et le devil deal, et que j'ai clean tout l'étage, ça va me téléporter dans la glitch room. Donc c'est potentiellement c'est rigolo. Mais le problème c'est que ça veut dire ouais il faut réussir un peu tout trouver. C'est un peu de la merde quand même. Non, c'est un peu de la merde. Je suis en train d'y réfléchir, c'est clairement de la bite. Non, ça me fatigue en fait. Ah oui, j'aurais pu avoir le Devil Deal premier étage. Ah oui, c'est pas du tout boss rush. Oui, c'est vrai qu'on est... C'est ça le problème. C'est vrai qu'on joue plus speedrun... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! De temps en temps, on balance des flammes. Non, c'est pas celui-là. Ah, je confonds avec celui d'Anti-Burst. Ah si, c'est ça. C'est fort. Mais on est sur un XL de merde, c'est ça. Avec un personnel de merde. Du coup, je peux pas faire ma Curse Room. Je sais pas si c'est worse. Quoi qu'elles vont pas être fermées à clé, hein. C'était... Pourquoi je commence sans bombe? Ah oui, non, c'est Apollyon, c'est pas Isaac. On se démarre. Bravo, on se démarre. Paf. XL ça peut être très bon même si bon faudrait trouver un cœur bleu assez vite. Parce qu'il suffit que je me fasse toucher une fois et c'est foutu pour le Devil Deal. C'est de la bite. Bah non. Si un peu. Alors avec des bombes ou de l'argent, je peux reroll. Un peu de la bite quand même. Regardez avec cette pièce. Je crois que c'est... Oui, je peux le manger, mais... C'est pas ouf, quoi. Il y a encore un rocher marqué, c'est le deuxième. Je pense qu'on peut faire mieux. Je pourrais aller utiliser la bombe pour reroll l'objet, mais je vais. Ouais, bon, je vais faire ça comme un connard. Ouais. Et ça va peut-être m'ouvrir un accès. Non, ok. Ça, c'est cool. Et du coup, on peut y aller. On peut commencer ce run, j'y crois à main. Paf! Oh, bah voilà! On l'a notre reroll. La boule magique, merci le gros parigolo, sublime. Et à Starox 31, bravo. Et Stratiste. Incroyable. Paf. Oh, technologie, oh, c'est nul. Bah, mangeons-le. Plus un dommage et du tears up. On a perdu un peu de range. Acceptable. Go. You can fly, ça va. On a un bon DPS à... Pour le début, surtout quand si les flammes arrivent. Ouais, ça se goupille plutôt bien. Allez, c'est quoi? C'est très très bon. Par contre, je vais pas avoir mon objet de dispo pour le Devil Deal. Ça, c'est un peu dommage. J'aurais peut-être dû farmer et essayer de trouver une batterie. Parce que du coup, on va clean le basement en 2 minutes 40. Tout va bien. Enfin, en moins de 3 minutes. Hein. Ou pas. Il y a Curse Room aussi qui serait dispo si on a envie. A voir. Ah, Elix, salut. Ok, encore du dommage. Ok, ouais. Ok.
raisonnable. Salut Mythos TV, mais non, pas technologie. Ah, Cubase, incroyable, il a arrêté de planter. Du moins pour l'instant. Aujourd'hui, il marche bien. Ah oui, alors ce matin, enfin cette nuit, du coup, vu que je me suis réveillé très tôt, j'étais sur le Twitch de mon pote Bavirt, Jake Hoffman, qui du coup Twitch sur la chaîne de son studio Zikos. Et il faisait de la musique pour le DLC de Shovel Knight sur Family Tracker. C'était très cool de lui reparler. En plus, on est retombé sur un pote norvégien qui était dans notre net label à l'époque. Bref, c'est Mint Potion, M-I-N-T Potion, son Twitch. Si jamais vous voulez le suivre à l'occasion et le voir faire de la musique, c'est pour moi un des musiciens de jeux vidéo le plus taré, hein, qui existe vraiment, un talent sans fin. Anyway, j'ai oublié la deuxième item room. Non, pas du tout. On a eu... enfin, attendez, je dis pas de conneries. On a reroll le unicorn de merde et on a eu... Ah non, je dis de la grosse... Non! Si, on a eu les Ghost Tears. Oui, c'est bon. Par contre, j'ai pas de clé pour ça. Je ne peux pas voler pour aller prendre l'argent. Sinon, ça aurait été bien, ça aussi. 4 minutes 30, on est bien. Faut continuer, bourré. Le but, c'est... Non, j'aurais dû l'amener en bas. Peut-être qu'il y avait... Le but, c'est boss rush, c'est hush, toutes ces merdes. Bon, là, on est bien. Parce qu'on a Goathead. Donc, c'est vraiment zéro embrouille. Petit Magic Mushroom dans un champignon. Je pense que le chat sera content. Un petit seed pour la famille. Ah, la seed. Alors, la seed, c'est G comme Gustave. V comme Vincent. V pour Vendetta. C comme Corentin. E comme Émile. V comme Virgile. C comme Charlie. Et 9. Ok. Objectif, nous... Oh mon dieu! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, vraiment? Non mais qu'est-ce que c'est... Voilà, très bien. C'est mieux, en fait. Sauvage, cette salle, quand même, pour un cave 1, là. Ok. Ah bah là voilà la clé. Voilà le jus d'orange. Mais qui... Oh le Peeper quoi, l'angoisse. Oh Peeper, je le mange, hein. Puis ça en chance. J'ai perdu du range encore, mais ça va. C'est quoi celui-là déjà, le tape? C'est pas clair. Ah oui, non, c'est cool. Très bien, hop. Elles ont l'air de rester plus longtemps. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est boss rush, hush. Et ensuite, on verra, selon ce qui se passe. Mais j'ai pris les Devil Deal, donc Mega Satan, ça va être compliqué. Oh mon dieu! Mais que... Non! Oui, d'accord. Ok. Ah oui, heureusement, je lui ai fait peur. Grâce à Abaddon. Ah, c'est chiant. Ouais, bah là, il avait pas peur, donc forcément. Oh là, casse-couillerie, là. Range up, je suis pas sûr. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Est-ce qu'on prend Guppy's Call? The Pact, on le prend, bien évidemment. La question, c'est est-ce qu'on prend Guppy's Call? Je pense que non, c'est débile. Et lui, on le défonce. Évidemment, devenir Guppy c'est fort, mais ouais, non, ça vaut pas le coup, j'avale ça. Ok, et on s'en va. Guppy Collar 100% win avec les embrouilles, comment ça? En tout cas, The Pack c'est superbe. Hein. Tears up et dommage up, c'est formidable. Ah oui, le. Oh là là.
C'est le confort. C'est la run du confort. Demi-cœur bleu, c'est mignon. Allez. C'est la base. Je l'ai tenté, je l'ai tenté. On n'a pas encore d'objet qui... J'ai pas pris que puisque là, il nous faudra un objet qui nous mette bien niveau cœur, que ce soit un trinket ou... Waouh. Même un... Merde. Un Gimpy ou... des trucs du genre. On en est où, 8 minutes? Ok. Cave 1 a duré bien trop longtemps. Hein. Brillant comme les diamants. Qu'est-ce que je pense du satanisme? Satanisme, c'est comme les forums sur internet. Est-ce que la luck influe sur Gapiscolar? Je crois pas. Qu'on me corrige hein, si c'est le cas. Je crois que c'est juste un bon vieux 50-50 des familles. Saloperie. L'objet tout de même. Bah, tant que je suis là, faisons d'abord le truc, le boss. Gordy, voilà, un petit boss tranquille, un petit boss des familles. Allez, les flammes, là, elles sont où les flammes? D'accord. Superbe. Voilà, c'est ça qu'on veut. Le HP up. Ah oui, mais si j'ai pas de cœur, il va me baiser. Voilà. Ah, vas-y, faut qu'il y ait un cœur là. Ah, putain, c'est vraiment de la grosse baisse pour le coup. Ah, du coup, restons comme ça. Il faut pas. Parce que oui, j'ai pas pu investir mon cœur rouge. Parce que le All Bandage, je vous le remplis pas, le cœur. Et vu que je suis plus sûr que... Mon avis, c'est pas sûr à 100% que le Devil Deal reste, comme dans Anti-Burst. Du coup, j'ai pas tenté, mais c'est de la bonne baise. Bon, par contre, on est surpuissant, là, si on reste en War of Babylon. Je pouvais ressortir. Ça reste ouvert. Alors, c'est sûr, maintenant, dans Afterburst, ça reste ouvert 100%. Ah, j'ai Goathead. Oh, je suis fatigué, surtout. Oui, j'ai Goathead, donc je... Enfin, forcément que ça reste ouvert. Oh là là. Oui, non, mais d'accord. Écoutez, hein, c'est pas grave. J'ai la lucide. Déjà que je suis pas lucide de base, là. Hein, dans l'état de... d'insomnie absolue. Hein, je le suis encore moins, donc. Ce n'est pas grave. Écoutez, ça nous servira à l'étage d'après. C'est quoi? Ça restera notre petit secret. Ok. Je vais prendre le demi, et puis voilà, on peut y aller. Très bien. Ok. Moi je trouve ça réglo. Merci beaucoup Seyumul. Depth XL, putain. Ah bah oui, on va aller vite mais c'est pas ouf. Quand on a Goathead, on a envie de d'avoir des flores normaux. Ah oui, en effet on est puissant. On est puissant. On n'a plus qu'à regagner du tiers up, mais niveau dommage, on est là hein. Paf! Tiens! Exceptionnel. Pure soirée de folie. Merde. Qui donne envie de danser. Putain, quelle saloperie. Je déteste ces salles. D'accord. En... Mais putain, mais ils étaient 12 en fait. Très bien. Et mine de rien, on est dans la merde. Oh! Bonjour! C'est de la bite. Ça c'est bien. Pure soirée de folie. Ah oui, chocolate milk, ça serait fort aussi. Qu'est-ce qu'on veut là? Putain, c'est un peu la zermie sexuelle niveau cœur. Hein. Je vais garder mon truc. De toute façon, j'ai The Fool. Donc si j'ai besoin de manger le... Oh non! Non! Oh non! Je les connais mal, ils vont me défoncer. Ils vont me défoncer, ils vont se faire un check vagin là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ils vont se faire un check vagin, je vais rien comprendre. Check vagin.
Ah oui, heureusement que je suis si fort. Pure soirée de folie. Très bon. Bon, je scroll, j'ai une batterie. Ah oui, il y a une batterie. Oh mon dieu, encore du dommage et range. Pure soirée de folie. Ah oui, d'accord, oui. C'est vrai que c'est vraiment de la merde. C'est fait aléatoire. Ok. Mon mom a pas trop changé, donc ça va aller. La mom d'Antiburst, elle était un peu plus vénère, mais... But, c'est qui le connaît. Ta-ta-ta-na-na-na, oui. Ok. Exceptionnel. C'est de la merde. Mais du coup, je dois faire le boss rush. Enfin, c'était l'idée. Est-ce que je viens vraiment de faire ça? D'accord, je viens de faire ça. Très bien. Allons-y. Mais du coup, là, je peux tout prendre. Pure soirée de folie. Quoique, putain, The Soul, c'est bien. Daddy's Long Leg, c'est bien. J'imagine qu'avec... Si je suis très lucide, je peux manger un truc et... Enfin, je peux prendre un truc et manger le reste. Faut absolument que je prenne The Soul. En plus, ça donne 2 Soul Hearts. Ouais, il faut que j'essaye de bourrer, de prendre Soul Hearts et The Soul et appuyer sur machin en même temps. Je peux tout avaler aussi, mais The Soul est trop important. The Soul, il donne l'armure naturelle qui repousse les trucs et... C'est possible de tricher. Ah, j'ai The Fool. Ah oui. Pure soirée de folie. Est-ce que ça marche encore? Qui donne envie de danser? Putain, quel connard. Attendez. D'accord. Exceptionnel. 13 minutes, c'est beau. Hein. Est-ce que ça marche encore? Ah, c'est de la bite. Ah, c'est juste que j'ai voulu la... Je sais pas pourquoi, j'ai peut-être trop safeisé. J'ai attendu trop... J'ai trop attendu, en fait. J'ai même pas safeisé, je crois que j'ai trop attendu. Et du coup, ils ont disparu. J'aurais dû bourrer plus vite. Donc, c'est la base. Rocher, salle de boss. Qui donne envie de danser. Mais comment ça, rocher, salle de boss? Ah, salle de boss avant. Donc, en fait, ouais, j'ai été trop lent. Et bah cassons-nous. Ah mais du coup je peux pas faire le boss rush. Donc super. Putain. Quelle catastrophe. Bon, ce n'est pas grave. C'est dommage parce que c'était la bonne partie pour hein. Essayons de faire The Hush. Ça non plus c'est pas gagné. Quoique avec The Soul ça va être plutôt tranquille. La boule magique. Exceptionnel. Mais tout manger en fait ça avait du sens. Mais vu que j'avais The Fool c'était encore mieux de prendre The Soul avant quand même. Mais je crois que c'est juste que j'ai attendu quelques frames de trop, quoi. Comme un connard. Comme un connard. Les mouches sont fortes. Ah oui, c'est vrai que j'aime Mulligan. Et c'est pissant. Ah, c'était une nouvelle araignée de merde. C'est pas Guppy. Mais les mouches, ouais, font terriblement mal, hein, avec Polyphème, hein, tout le bordel. Pure soirée de folie, quoi. Saloperie. Qu'est-ce que... C'est le guppy du pauvre, c'est ça. Ah, materia, vision. Sors, allez, voilà. Eh bien... C'est l'échec. Allons à droite. Oui. Oh, le salen vinyle. Y a-t-il un rocher? Je suis tellement fatigué au bout de ma life.
figure sera de folie le gâchis des mouches qui vont sur Envy, la déprime, au lieu d'aller sur le prochain boss. Ah, je n'ai pas repris de demi-cœur rouge, ça c'est la grande nouvelle, hein. Je suis toujours en War of Babylon. Qu'est-ce qu'on pourra comme Devil Deal Cool? Ceremonial Robe. Encore un XL, sérieux? Oh mais quel beat! Oh c'est chiant! La boule magique. C'est pas cette partie là où j'ai mangé Abîme, non. Rien à voir. Fils unique. Ça c'est pas sûr du coup. Ok. Bon j'ai Goat Head donc je peux laisser le HP up là et pas m'énerver bien sûr. La boule magique. Cure soir à Tony. Allez la mouche, go la mouche, go la mouche. Ah oui mais j'ai The Soul, alors c'est les vacances. C'est les vacances, c'est les vacances, c'est les vacances. C'est les vacances. C'est les vacances. Lisa Monet. Alors on est dans Afterbirth, donc j'ai le droit de faire ça comme un connard. Pure soirée de folie. Alors j'ai envie de dire que ma vie c'est de la merde. Ça faut que je le mange du coup. D'accord. C'est bien. Et vu que je suis pas sûr d'avoir de batterie au shop, faut que je me balade pour recharger mon truc. Ça me paraît bien. Mais pure soirée de folie. Qui Death Touch? Quoi il est... Exceptionnel. Ah oui j'ai ce soul. Ne panique pas. Oh mon dieu. Oh la salle de merde. La salle de merde. La salle de merde. C'est bon. Qui rocher marqué ne sera pas de refus. Ah oui il y a oui il est bizarre. Très bien. Exceptionnel. 31 de dommages, c'est vrai que c'est exceptionnel. Mais il y en a peut-être un là de rocher. Oh putain avec j'ai tellement des anus à la place des yeux. Ça va être compliqué. Andalors, merci. Et Tagada, voilà les Dalton, Shermy. Oh j'ai loupé tous les subs de la vie, j'en suis sûr. Sayomul, merci. Bravo. Je le savais, je le savais. J'ai regardé ces bombes et je me suis dit non. Fallait foncer, fallait ressortir et foncer. Bonsoir mademoiselle. Curse of the Maid, c'est pas grave, sauf si ça me téléporte direct chez le boss, là je serais pas content. Putain, j'ai que 4 clés. Ah putain, j'ai que 5 balles. He's ok. Oh oui. Pardon. C'est beau. Ok. Crystal Ball, c'est beau, hein. Ça donne. Ah oui, Crystal Ball, je vais le manger. C'est obligé que je mange Crystal Ball. Donc, on va manger Théodule et Crystal Ball. Et là, c'est Judas Shadow. Ah, Judas Shadow, il est glamour, mais on n'aura pas vraiment le temps de rip-hop. On n'a pas envie de se petit suicider. Ou bien, je mange tout, en fait. C'est sûr, je mange ça, parce que Crystal Ball me donnera. Voilà, ou un cœur bleu, ou le mapping. Et le mapping. Est-ce qu'il y a une batterie. Je crois que je mange tout, en fait. Alors, bah allons-y, hein. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, c'est scalé sur mon dommage, donc ça va être pénible quand même. Mais avec The Soul, normalement, on est pépère, quoi. On dévie les balles. Détourne les balles. Bon, sauf Léo Ming, peut-être.
Alors ça c'est génial, ouais, je peux pas tirer à travers. Voilà, ouais, les flammes. Ça c'est bon esprit. Normalement avec The Soul c'est la gratuité absolue, hein, c'est ridicule. Surtout en restant loin, j'ai la range pour. Voilà, je joue au basket, je joue au basket, basket. Bon par contre, ouais. Même avec un DPS de Gorée et les mouches, on voit que bah, ça va prendre un certain temps. Quoi. Je crois que tu peux ramasser le Crystal Ball, utiliser l'item et le manger derrière, ça te fait deux drops. Oui, mais je voulais... on mangeait Théodule en mangeant tout de suite ça, donc ça pouvait me donner un autre stat sub, j'imagine. C'était surtout pour l'occasion de manger les deux. Ah, c'est cool parce que oui, ça fait pas plein de mouches. Hein. Une multitude de petits ennemis. Putain, c'est vraiment cool pour le boss rush quand même. Hein. Même si le boss rush n'était pas garanti à 100% que je meurs pas comme un caca dedans. On était plus fébrile hein, au moment du boss rush. Quoique avec The Soul, ça l'aurait fait. Ah, c'est la tristesse. Les flammes font mal. Hein. C'est juste dommage que mes tirs se. Les amenuisent. Ah oui, faut pas bouger. De toute façon, avec The Soul, ça va être cool. Quoi ? Peut-être parce que j'avais bougé au début. Putain, c'est vraiment de la bite. Et The Soul, c'est pas censé me protéger. La vie, c'est de la merde. Faut que je fasse gaffe, sauf qu'il va me faire les tornades folles à un moment. Le Crazy Raclette, tout ça. Ok. Non, ça c'est cool. D'ailleurs, on va se rapprocher, ouais, il y a des mouches. Bordel. Toutes les mouches de ta vie. Ah voilà. Bon, les mouches qui se désintéressent totalement du fight. Cimer. Cimer. Ouais, c'est pas fou. Mais comment dire? Voilà, merci. Je comprends que là, je suis en plein dedans. Merci The Soul. Hein. Mais pourquoi je rebouge? Il rebouge tout le temps, Abrutix. Oh my god! Ok. C'est beau, mais c'est long. Alors, il faut pas que je bouge, mais c'est juste que j'ai la panique d'un moment. Il va me faire le coup des tornades à la con. Là. Écoutez, si ça reste comme ça, très très bien. D'accord, il veut la jouer comme ça. Joue-la comme Beckham. Quel abrutix. Allez. Allez, faut mourir maintenant, madame. Merci. Hoshi. Succès déverrouillé. A new area. The Void. Alors, attendez. The Void, ça se passe où, du coup? La suite des événements, pour moi, c'est de toute façon la cathédrale. J'ai pris le Polaroid. Donc, j'ai débloqué The Void. Incroyable, mais vrai. Fallait juste battre Hush, en fait. Mais bon. En haut à droite, me disent-ils. Quoi, y a un truc? Ah bah oui! Ça continue. Encore et encore. Parce que le début de la... D'accord, fallait ressortir et revenir, quoi. C'était une mauvaise idée, je parie, non? Curse of the Unknown, génial! C'est vrai que ça sert à quoi de connaître ses points de vie? Ah, mais... Ça, là. Ah, d'accord! Plusieurs salles, plusieurs ambiances. Très bien. Ça me va. Ah bah, on a trouvé le boss, semble-t-il. En deux frames en plus. Bah c'est Guiche. Urgh. Little Guiche, moi je veux bien Little Guiche. Ça c'est bien aussi. Et je vais le prendre.
pourquoi pas. C'est rigolo. Les penny tears. Ah, on reste en Death Touch. Je croyais qu'il allait avoir le... les changements en grosses pièces. Alors, c'est... Bah, ah, d'accord, on affronte des boss au pif. C'est rigolo. Mais où est le vrai... La true last boss, là. Ah ah ah! Attention. Ok, ça va, c'est les mains de maman en classique. Oh, j'ai marqué, oui! Moult cœur bleu, moult cœur bleu. Et moult passe bla. Ok. Urgh. Oh la puissance quand même. Petite puissance. Ah, c'est sûr que quand il n'y a plus le dommage scaling de Hush, tout va mieux. Paf, super envy, qu'est-ce qu'il y a? Choup da whoop. On va le manger. Ok, j'ai eu l'effet de guillotine. Galan, d'accord. J'ai pas eu de all stats up. Ah bah non, Choup da whoop, c'est un activable, je suis trop con. Donc fallait pas le roule, peu importe. Peu importe. On joue au basket. Ah oui, la rune, c'est Crystal Ball qui me l'a donné. Ah oui, mais du coup... Ah d'accord. Bah voilà, le mapping grâce à Crystal Ball. Il y a moult boss, c'est le bordel. Très bien. Sympathique. Bon, bah on va essayer de faire un max de boss, hein. Pour ce stuff fait. J'espère que là où il y a le vrai true last boss, enfin là où il y a le true last boss, c'est à signaler. La portée est différente. Dommage qu'il n'y ait pas un magasin du coup, tiens. C'est plein de pognon. Mais il y a des rochers marqués. Jouer volupté. Allez, peut-être la super secret, ce serait beau. Quoique l'étage est tellement énorme. On sait quoi ça alors? Mister Fred, très bien. Ça se fait. Paf! T'as mal! Bah oui, t'as mal! Oh là là, c'est terrible! On l'a déjà vu, on l'a déjà eu. Oh, c'est bien! Ça a l'air pas mal! Je l'ai déjà eu une fois. C'est vrai qu'Afterbirth. Et il y avait tellement d'objets, ça me dit quelque chose, il y était déjà. Mais je ne sais plus comment ça fonctionne. C'est aussi simple que ça, c'est aussi simple que ça. Mais il y a un truc en plus, je crois. Il y a un twist. Il y a un plot twist. Absorb, t'avais un boss en bas. Ah oui, mais il y a les boss partout hein, en même temps. Mais où est le vrai? Le vrai. Merde, qu'est-ce que. Oh, je me suis fait toucher par la mouche à merde. Non, mais c'est pas possible d'être aussi con. Delirium. Oh merde. Ah, je crois que ça y est. On y est. Oui, combo avec The Soul. Je crois que... Mais je connais... Oh mon dieu. C'était pas mal, mais... C'est quoi? The World, superbe. Tiens, on va faire à Galaz. On va peut-être trouver un truc de ouf. Soit l'autre Penny, je m'en fous un peu. J'ai tout le temps, j'ai peur, donc je suis en mouvement tout le temps parce que je sais pas à quel moment il y a une main de maman qui va m'écraser ou je sais pas quoi, mais pourquoi il se transforme? Motherfucker. Hein? Ok, il se transforme en moult boss, Teratoma, puis Polycéphalus machin ma bite. Très bien. J'ai fait du dommage, hein, d'accord, Blue Baby. Ou Isaac plutôt. Mais avec des boules de l'enfer. Attention! Ah non, mais non, mais là, il va se faire des, ils vont se faire des vulvo check. Le monstre qui a disparu, on sait pas pourquoi. Gurdy, ok. What? What? C'est de la merde. Bon, allez, mid-bar. On comprend rien, mais mid-bar.
Par contre, ouais, j'ai pas The Wafer, donc faut que je fasse gaffe. Niveau vie, c'est pas si fou que ça. Ok. Ça, c'est bordélique, hein. Mister Fred, ok, autre chose. C'est incompréhensible. Oui, des mouches, c'est bien pour Mulligan. Okay. Heureusement qu'on a The Soul, hein. Oh là là, oui, alors faut toucher le pied. Pour que ça se transforme en autre chose. Ça arrête d'être de la merde. Oui, je t'ai vu, je t'ai vu. Bonjour. Il va me gerber dessus, il va se passer un truc. Je me mets ni dans l'horizontale ni dans la verticale. Je le vois plus. Oh mon dieu. Ah mon dieu de merde. Allez, petite TP random. Ok, Isaac V2. Non mais c'est, sérieusement. À mon avis, la fin va être insupportable. Tout le temps en mouvement, même quand c'est le merdier. Parce que j'ai l'impression que ça devient de plus en plus rapide. Ok, on a un Eclipse pas content. Je veux juste faire gaffe à... Ah putain. Mais non, mais je m'en fous des cartes, bordel. Please. Bah génial. Non. C'est la tristesse. Et merde. Des bisous YouTube et un pouce bleu.